Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Rainbow Six Extraction. Bon, désolé pour cette petite coupure, il y avait un petit truc pas prévu, mais c'est pas grave, ça arrive, surtout à ce jeu. Donc, on s'était laissé ici après avoir avancé sur. Truth and Consequences. Donc, on va revenir un peu à New York, continuer un peu les études. Avec un frame-bouche équipé, restez discret. Ah, et des armes à feu, super. On va aller à Liberty Island. Elle est toujours modérée, hein, on va pas se plaindre. Contamination. Ok. Donc on va, pas le choix, va falloir être un peu plus offensive. Bon, le premier je peux me faire, le deuxième ça va être showtime. Mais bon, on verra bien. Donc, y a qui comme niveau 2? Ah, il y a Tachanka. Ah. Je suis invincible, je vous le dis. On va mettre frein de bouche. Voilà. Comme prévu. Ça s'y sert. Contrôle. Voilà. À propos, si je faisais ça, ça compte pas. Ok. Ça, c'est fait. Voilà. Lancement du drone. Je me demande s'il y a une différence entre celui de gradé et celui de normal. Bon, il y a une meilleure autonomie, hein, ça c'est sûr. Votre objectif doit plus être loin. Utilisez un dispositif de reconnaissance. C'est ce que je crois, non? C'est ce que je fais, non? C'est vrai, c'est. Les paroles deviennent répétitives, hein, à force. Mais bon. On a fait le boulot, c'est pas fait. Il doit être à l'intérieur, c'est pas possible. C'est vrai, j'avais mis direct. De 10 minutes à chercher mes trucs. Ah, il faut que je fasse à travers des surfaces destructives. Chez les nids. Détruisez ces nids et prélevez un échantillon du néoplasme. Je faisais ça.
détruire des nids anormaux et le néoplasme deviendra vulnérable. Tous les nids sont détruits. Prélevez un échantillon. Cet échantillon devrait nous permettre d'éclaircir le mystère de l'écosystème du parasite. Bon. Prochain sauve. Ok, ce sera pas gagné celui-là. Continuez comme ça. Vous pouvez pas vous arrêter. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. On a reçu un SOS de cette sous-zone. Des données essentielles ont été récupérées, mais l'agent est coincé. Évacuez le personnel React. Drone déployé. Y'a pas un trou là? Bon. Notre agent est là. Préparez l'extraction. J'envoie une grenade fumigène. C'est l'équipe de secours. Emmenez l'entité au caisson d'extraction. J'ai oublié que... Sabotage. Bon, on va plus qu'à attendre. Au pire, je m'arrête. Au pire. Victoire.
nuit, il passe niveau 3 et puis c'est bon. C'est assuré. J'ai évité sabotage, hein, je vous avoue. Prochain, il reste plus qu'à tuer un gars par une heure. Bon, ce que je vais. Est-ce que t'as. Allez. Fusil de cahier, bravo, je vais prendre ça parce que. Bon, ça a 5 minutes quoi. Hop, on va remettre le silencieux. Il sera plus tranquille. Truc qui avait des destructions. Ah bon, de garde. Ouais, y'en a, mais. Essaye d'avancer. Ah! Affaire. Comment pas. Je cherche toujours le moyen d'améliorer mes créations. Ah, en plus, j'ai pas mon. Drone, enfin à main nue. Ah bah on revient là où on est parti. On a repéré un archéen de haute valeur et je veux que vous le rameniez vivant. Quand vous l'aurez trouvé, je vous confirmerai la cible. Ah bah on est retour à l'entraînement quoi. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça, on sait jamais. Je recharge. Parce qu'on va risque de prendre des coups. Il est pas là-dedans, lui. Si vous localisez pas l'objectif, utilisez un dispositif de reconnaissance. Bon, il est où?
Pire encore, attirez-les au point d'extraction. Oh, il était tout ce temps là. J'aurais mieux fait passer à droite. Hé hey, je suis là. Était juste là. Ah. En général, un gars comme ça n'est jamais loin. Rechargement. En général, un gars, chercher un gars, c'est jamais loin de. Du truc pour se barrer. Jamais loin. Personne, c'est bon. Vos méthodes vous ont permis d'arriver jusqu'ici. Alors continuez. Les nids sont à la fois des bibliothèques d'ADN, des usines organiques et des ventres de gestation. Cool, mais dangereux. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Restez calme. Les secousses sont causées par une forte activité parasite souterraine. Utilisez nos stations sismiques pour les arrêter. Ah c'est par c'est. La première. Ah c'est. D'accord. Quoi une balle. Ah, d'accord. Ah ouais, faut que je pars là-bas quoi. Grenade fumigène. Ah bah c'est bon. Allez hop. Triangulation sismique terminée. Lancement de la procédure de stabilisation. Les ondes sismiques vont s'arrêter. Nos scientifiques n'auraient pas pu y arriver sans vous.
That's enough. Ça suffit. Sous-zone. C'est bon pour cette sous-zone. Vous pouvez passer à la suivante. Shoot d'adrénaline envoyé. Voilà. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Accéder à un émetteur de catalyseur. Ces anomalies visibles nous aideront à comprendre d'autres phénomènes. Et là, comme par hasard, je recharge. Rechargement. Oh, il est où le tir à la con là? Voilà. J'ai tout détruit en ligne. Rechargement. Artefacts se comporteront comme des actions activées. Shoot d'adrénaline.
première zone. Rechargement. Initialisation du transfert de données. Des archéens se dirigent vers votre position. 44 munitions, j'ai pas bien droit. Si ça craint trop, on s'en va. Munitions est échouée, mais c'est pas grave. Non, ça va. Ça ne dérange pas de célébrer les victoires, mais on a encore du boulot. C'était limite, hein. J'aurais pas pu passer. Là, les claques, l'armure ne tiendrait pas. J'aurais pu prendre des trucs pour Ida et même. Le fait de se booster, c'était juste. Mais bon. Pas besoin de récupérer Sphinker. C'est déjà pas mal, hein, après tout ce qu'elle fait. On doit continuer à s'adapter pour rester au top. C'est mieux ainsi. Alors, à quoi? Sans écran critique. Ok, tous ensemble. À quoi? Avec escouade au complet. Au moins 50%. Ok, ça doit être. Ça doit être dans les cordes. Mais cette fois-ci, on va aller dans les postes de police. Ça doit être fait. Oh, mais non. Mais non. Pas ça. En tout cas, la première, c'est pas la meilleure des trucs. Ça dépend après dans quelle ouverture, hein, mais si c'est juste à côté, ok. Si c'est pas vraiment à côté, donc quoi. Aïe. Toujours une vision d'ensemble. Aïe, tu vas t'y coder. A rencontré des complications au labo et a pas pu évacuer. L'appel de détresse venait de ce secteur. Ah, j'ai ni grenade.
J'aurais peut-être dû prendre grenade. Voilà le VIP. Évacuez le colis. Ok, on reste. Le problème, c'est l'explosion. Évacue l'objectif. Protégez-le à tout prix. Bon, au moins, on est tranquille. Utilisez les caissons pour évacuer l'objectif. Au moins, on est tranquille. Après, ça va, je suis pas très équipé pour, mais prochain. C'est quoi le truc? On va faire le deuxième. Il y a mission d'abord. Je ne vais pas vous mentir, ça aurait pu se terminer autrement. Mais on va gérer la situation. C'est pour ça, c'est pour ça que je vais faire, c'est relativement rapide. Alors certes, Yon ne s'est pas amélioré, je vous accorde. Mais bon, au moins, ça prouve qu'en solo, ça peut se faire. Ça peut se faire. On va voir. Hein. Faites une pause hein, si vous regardez. Ah, j'ai pas vu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Affectation d'eau mur ask. Ah oui, d'accord. Notre ennemi est sans pitié. Toute anomalie peut représenter une grave menace. Niveau 8, je ne suis même pas à 4. Bon, au moins, ça prouve que c'est possible. Alaska, oui. Donc, on va repartir. C'est quoi le plus facile? Monolith ou Liberty? Je crois que Liberty, c'est le plus facile. Bien sûr, je prends toujours les trucs les plus faciles, hein, c'est honnête. Hein. C'est vrai, c'est en solo, c'est déjà pas facile, hein, en trio. Mais j'en ferai, ne hein, t'inquiétez pas. Ok. Le troisième va être costaud, mais le deuxième, ça peut se faire si j'ai un peu de monde. Le premier va être costaud. Donc on va être un peu bourrin. Là. Et après, je pense au bout d'un moment, je vais peut-être laisser certains agents de côté pour me concentrer sur ceux où je suis plus à l'aise. Je pense. Guerre que mon père n'aurait
imaginer. Oh, c'est sûr. C'est sûr. Semble communiquer avec un élite. Si on le laisse réunir un groupe, l'endiguement sera pratiquement impossible. Éliminer ses ennemis pour forcer l'élite à se montrer. Le drone est prêt. Ah, ouais, faut que je change aussi. Mettre la meilleure version de. En plein milieu des Archéens. Bon, faut faire les trois objectifs. Hein. On va pas. Faut être de qui pour avoir les bons objectifs. Rechargement. Putain, il m'a fait. Vous devriez pas tarder à voir l'élite. Quel Dream Team il voulait monter, mais ça ne risque plus d'arriver. Jusqu'ici, votre approche fonctionne. Continuez. Nous ignorons si la carapace de ce nid est le résultat de sa maturation ou s'il s'agit d'un type de nid totalement nouveau. J'ai juste. Les combinaisons NBC standard protègent adéquatement contre la contamination, mais ne sont pas aussi résistantes que le PPE d'agent. Je vais juste savoir, le prochain c'est ça, son ultimate c'est sur les murs. Ah oh, c'est sur les trucs fragiles. Séquence de SAS, transition de sous-zone en cours. Trouvez des nids en sommeil et placez-y des trackers. React a besoin de données à jour sur l'écosystème du parasite. Il continue de changer et il faut qu'on suive son évolution. Qu'un dernier. Oh, il peut pas me mettre à un endroit un peu plus safe là.
Ah. C'est pas le meilleur endroit pour ça. Ah, déjà fini. Je recharge. Passez à la sous-zone suivante. Y a plus rien d'intéressant. Rechargement. Des cartouches. Hein. C'est pas idéal. Hein. J'ai pas cartouche. Hein. Je recharge. C'est pas idéal. Hein. Je suis pas dans la bonne direction. Bon, il faut espérer deux choses. Ne pas avoir du monde en face et avoir des cartouches. S'il n'y a pas de cartouches, on rentre. Sortez bien. Continuez comme ça pour la sous-zone suivante. S'il n'y a pas cartouche, on rentre. Pas cartouche, on rentre. On n'a pas assez de quoi tenir. Tant pis, ce sera une autre fois cette étude. C'est mieux que rien parce que j'ai plus de cartouches. Oh, et puis après, on peut toujours faire ceux d'autres endroits. On peut toujours revenir à la poste de police. Depuis mon enfance, c'est sous la pression que je me suis forgé. Bien sûr, Finker va pas jouer dans cet état. Hein. Soyez honnête.
Ah, un peu plus rock'n'roll au début, quoi. Ça va être intéressant. Par contre, si je prends Tachanka, je vais devoir mettre. 550 coups par minute, ça résout tous les problèmes. Lui, il a besoin de quoi? Oh, ça ira. Je pose ma mitraillette autour de mon truc. Puis je dégomme tout. Ça devrait le faire. Déploiement du drone. Il est possible que la carapace du parasite se reforme sous terre, notamment à cause des flèches archéennes. Essayez de découvrir où elles apparaissent. Il est plus dans, je vous avoue. Je ferai en off pour tout ce qui est upgrade du matériel. C'est plus d'or, mais ça mérite de faire de tout checker. Ça mérite. Si je peux faire un peu d'économie en tirant quelques balais. Donc j'en vois prendre des cartouches. Placez les charges et protégez le site jusqu'à mise à feu. La fenêtre est sécurisée. Barricadée. Oh, on peut barricader autant face à ça. Barricade déployée sur la fenêtre.
comme ça. La fenêtre est sécurisée. Comme ça, je les attends. Hostile en approche. Protégez le site. Je les attends. Totalement éradiqué dans cette sous-zone. Je n'avais pas prévu qu'il y avait. Voilà. Ça. J'avais oublié qu'il y avait la tête derrière. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que la mission se passe bien. En théorie. Mais... Concentrez-vous sur ce qui marche ou improvisez en cas de besoin. Continue d'avancer. Ce conteneur à échantillons variotypes permet de conserver. Je recharge. Numéros et artefacts jusqu'à 96 heures. Bon. Séquence de sas, transition de sous-zone en cours. Il nous faut plus d'infos sur les nids du parasite. Marquez-en avec des trackers, mais sans les réveiller. Drone déployé. Placez des auto-trackers sur ces nids. J'ai trouvé des nids relativement safe quand même. Éviter de... affronter du monde. Ah, trois dans la même salle. Je risque d'alerter tout le monde. Un qu'on pourra se faire, c'est celui-là. Quoique. Surtout qu'il y a trop de monde dans un dans une zone réduite. À moins d'y aller en mode bourrin, semi-bourrin, mais il faut faire quoi. Il y avait une zone relativement safe, c'était où? Je crois que
pas c'était là. Les fruits de vos efforts, mais c'est pas fini. C'est quoi le dernier? Ok. L'infiltration à l'ancienne, ouais. Voilà. Séquence de sas, transition de sous-zone en cours. C'est bien la première fois, je vais réussir avec Tachanka beaucoup de choses. On doit éliminer ces archis, mais on a aussi besoin d'échantillons. Utilisez votre lame React pour faire d'une pierre deux coups. Faut d'abord trouver la sortie. Ah ok, c'est de l'autre côté. Rechargement. Lancement du drone. Je recharge. J'aurais détecté un peu trop. Il doit être prêt à sortir, je pense. Encore 12 minutes, on est largement dans les cordes. Pas entendre un seul bruit.
Ça met balle sur les cadavres de ces messieurs. Ils sont autorisés. De vidéo, j'aimerais bien en finir. Qui est tout, c'est coupu. Est-ce que par hasard il y a la sortie? C'est, je me pose la question là. Parce que j'aurais quand même fini l'étude dans les règles. Le voilà, éliminez-le avec votre lame réacte. Ah, il était là. On va rester à coupe. Alors, ces petites grenades. On voit de fumigène. Petite fumigène. Hop là. L'artiste frappe encore une fois. Vous savez que nos chercheurs vous adorent. Allez, évacuons. Oh, c'est... Voilà. Ça, ça fera gagner quelques espaces. Savoir si vous avez dû vous donner à fond ou si c'est trop facile pour vous. On va dire si c'est trop facile. Non, je plaisante. Je plaisante. Lord Tachankar a fini mission. Sans qu'il y ait ce bug à la con. Je me demande d'ailleurs, attendez. Je me demande. Normalement, c'est enregistré, mais. Bon, au moins, ça a été fait à la dernière seconde. Mais si je. Si jamais ça déconne encore, je risque d'être un peu vert. Après, le jeu est tellement prenant que je me dis, bon, ça va, on peut se refaire. Ça s'adapte pas trop quand même. Allez! Ça prend quand même du temps. Bon, ce que je vais faire une pause et puis on va repartir juste après, je pense. Sinon, ouais, on va faire ça. On va faire une rapide pause et puis on repart. Bon, ben, je fais une pause. À tout de suite. Bon, on va savoir si j'ai gagné niveau 4. Ah non, il n'a pas fait. C'était bien ma veine de faire ça, si au final ça n'a pas suffi. Mais bon, c'est réalisable, faut dire. Bon, bah, tant pis, hein. C'était quand même une expérience assez amusante. Bon, on refera ça à Tachanka, à charge de revanche. Bon, bah on va s'arrêter hein, sur cette vidéo. Elle est quand même déjà assez longue, hein, je vais pas non plus je vais pas non plus imposer une autre mission si au final. Si on veut devancer la menace. J'avais 9%, c'est déjà pas mal. Enfin bref, on va s'arrêter ici sur cette vidéo. Demain on va prendre notre revanche sur notre étude hein, avec Tachanka. On reprendra le poste de police, hein, puis. Et voilà, ça devrait bien se passer quand même. Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve après pour une nouvelle vidéo de Rainbow Six Extraction. Donc,
Je crois que j'ai tout dit, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à la prochaine. Hey, salut à tous.